Cyril, lui, il s'est fait connaître grâce... Je sais que vous aimez beaucoup de sport, le foot aussi, oui, notamment le basket, mais le foot, il s'est fait connaître grâce à cette vidéo avec le joueur de foot Kylian Mbappé, qui a déjà été vu à plus de 15 millions sur Internet, sur YouTube. Regardez. C'est l'heure du pestacle avec le magicien Maxime Tabar. Enchanté, ça va? Je stresse. T'as la main super chaude, putain, c'est ouf. Comment ça va? Ben, ça va bien. Je suis trop 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 heureux d'être là, merci. Merci beaucoup de m'inviter. Je suis trop trop heureux. Je m'éloigne, j'ai peur. T'inquiète pas, vous inquiétez pas. Je sais pas si vous avez entendu parler d'un truc il y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça sur Instagram. Il y a une photo, une banane scotchée sur un mur, qui s'est vendu à plus de 125 000 $. Oui, vous avez entendu le type l'a décroché et l'a mangé. Et l'a mangé, exactement. Oui. Et bah, ça m'a donné une idée. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de créer une photo un peu qui fait le buzz sur Instagram. Est-ce qu'on peut emprunter ton téléphone? Si tu veux. Tu veux aller sur... Ouais, sur Instagram. Sur ton compte, c'est ouais, ça? Ouais, carrément. Okay. Je me fais un peu de pub au passage. Hein. Ok, allons sur le compte. Okay. Super. Tiens, je t'en prie. Ok, donc ça, c'est mon compte Instagram. Et si on regarde, je vais montrer juste là. J'ai posté une photo il y a quelques mois, j'aimerais bien qu'elle buzz. C'est cette photo-ci. Ok, avec des cartes. Hop là. Bon, on reviendra sur la photo tout à l'heure, je te la laisse. Du coup, moi, ça m'a inspiré quelque chose, j'ai créé une œuvre d'art. Pareil, un jeu de cartes scotché qui est là depuis le début. Mais non, mais je l'ai pas vu. Bon, je sais pas combien ça va se vendre, mais bon, en tout cas, j'ai créé cette œuvre d'art. Je le décroche pas et je le mange pas, hein. Non, je reviens tout de suite. Hein. Je pense pas que ça se mange. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on essaye un tour de magie grâce à ça. Thierry, est-ce que vous pouvez penser à une carte, celle que vous voulez? Ça y est, c'est fait. Ce serait quoi? La dame de cœur. Dame de cœur. Vous voulez pas changer? Oh non, je trouve ça magnifique. Moi aussi. Dame ouais. de cœur. Ouais. Ok. Parce que depuis le début, il y a le jeu de cartes qui est là. Oui. Une sorte de prédiction un peu. Je sais pas si j'ose pas trop aller le détacher. Moi aussi, ça me fait un peu. Mais on va aller voir. Ça, c'est le moment où on devient fou, en général. Le jeu de cartes est là. Et si on regarde à l'intérieur, il y a un jeu de cartes. Ouais. Hop là. Il y a rien dans la boîte. Et ce qui est assez drôle, c'est que si on regarde, toutes les cartes sont là. Ouais. Toutes. Et que juste là, il y a une carte qui est retournée dans le jeu. La carte. Que vous avez dit au hasard, la dame de cœur. Ça m'énerve. Et vous avez dit la carte au hasard, on est d'accord? Ah bah ça oui. Au hasard. Incroyable. En fait, le truc, c'est que la magie, c'est un peu comme l'art, en fait. C'est que de l'imagination. Ah bon? Vous pouviez choisir que la dame de cœur, en fait, parce qu'il n'y a jamais eu d'autres cartes. Toutes les cartes. Oh là 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 là. Blanche, regard. Vous pouvez choisir que la dame de cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une photo que j'aimerais bien qu'elle buzz sur Instagram, même chez vous, vous pouvez aller regarder sur mon compte Instagram, @maximagique. Est-ce que tu... Ouais, tu veux que j'y retourne, d'accord. Allez voir la photo juste pour vous montrer un truc. Vous pouvez même aller chez vous. Si on regarde juste là sur mon compte, la même photo qui est juste là. Si on continue un tout petit peu plus loin, on voit qu'il y a une seule carte qui est là depuis le début. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Maxime Tabar, exceptionnel.